ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon jeudi, un jeudi qui commence avec un temps qui est perturbé, gris, couvert avec de la pluie par moment, une température extérieure qui est douce à 11 degrés, température de l'eau à 15 degrés, une marée qui monte, le plein haut est à 13h15, des coefficients de 48, sur ce tout début du montant, le vent est onshore, soutenu à fort, ouest-nord-ouest, Saint-Beaufort établit des rafales qui montent à 6, le sable ne vole plus, mais les oyas sont couchées, les mouettes sont en l'air pour la plupart, où elles sont en train de décoller. Et on a une houle qui est elle longue avec 10 secondes de période orientée ouest à ouest nord-ouest, multipique agité, un peu déjà à la baisse par rapport à hier soir. Il y a 2,50 sur les séries, un bon 2,50 quand il n'y a pas les séries. Il y a 2,30, c'est en vrac, c'est tordu, c'est pourri, c'est pas surfable. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va rester stationnaire, du vent qui va se maintenir à la mi-journée, se calmer un petit peu en soirée, mais pas d'amélioration notable ou suffisante pour aller glisser. La bouard cachant tourne dans les 3,50 m avec 7 à 8 secondes de période. On attend donc à 13h 2,50 m ou ouest à ouest nord-ouest 10 secondes de période vent ouest nord-ouest 1 à 6 Beaufort. Et à 17h 2,50 m ou ouest à ouest nord-ouest 10 secondes de période vent ouest nord-ouest à Saint-Beaufort. Du surf et de l'action compliqué toute la journée. Voilà. Prochain point, 11h30. À tout à l'heure, merci.